C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour partager mes deux passions, la chirurgie et les voyages. Elles se ressemblent beaucoup, vous allez le découvrir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons toujours le choix en chirurgie et sur la route. Mais pour faire le bon choix, il faut bien connaître le chemin le plus rapide, le plus sécurisé, avec la plus belle vue. Je vous présente donc ici un problème fréquent et d'importance majeure dans la chirurgie pédiatrique. C'est la sténose hypertrophique du pylore. Il s'agit d'une anomalie observée chez le nourrisson, un épaississement à l'orifice inférieur de l'estomac, qui s'appelle pylore, qui peut aller jusqu'à l'obstruction complète et empêche le passage alimentaire. Le nourrisson souffre de vomissements et si l'on n'intervient pas, il risque de perdre la vie. L'intervention consiste à couper cet épaississement. Mais c'est ici qu'intervient le choix. Comment aborder la cavité abdominale? Quel chemin emprunter? L'objectif de ma thèse est donc d'aider mes confrères pour faire le meilleur choix, en comparant les trois voies principales à la cavité abdominale. Et les résultats sont comparables aux trois types de transport sur la voie publique. D'abord, la méthode classique, la plus ancienne, consiste à pratiquer une incision linéaire dans la région épigastrique de l'abdomen, ici. C'est comme le tram, comme le transport en commun. C'est la moins chère méthode, la plus sûre, mais pas très confortable, pas du tout esthétique. La cicatrice est toujours disgracieuse. Ensuite, la méthode la plus à la mode, la célioscopie. C'est comme la Citroën de la chirurgie. C'est rapide, c'est confortable, la vue de dehors est magnifique. Cependant, cette méthode n'est pas directe. On voit à travers un écran et on peut souvent rencontrer des sinuosités, des risques de complications. En outre, elle est la méthode la plus avancée, la plus chère, et c'est pourquoi elle n'est pas accessible dans nombreuses régions du monde. Et à la fin, la méthode la plus à la mode, la voie d'abord ombilicale. Elle ressemble au cyclisme, comme le Vélib parisien tout juste. C'est un peu moins rapide, parfois plus difficile, mais beaucoup, beaucoup moins chère et assez sûre. En outre, elle est la méthode la plus physiologique. La cicatrice est dissimulée à l'intérieur du plis ombilical, c'est-à-dire la vue de dehors est magnifique. En outre, elle est d'accès facile et devient de plus en plus la méthode de choix autour du globe. Et voilà donc, quelle méthode choisir? Quel mode de pH? Quelle direction au carrefour des espoirs? J'ai ma propre réponse, mais je dois chercher d'abord davantage d'arguments pour l'avancer. Ensemble, nous pouvons donner un avenir meilleur.